Jingle bell, ba 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 ba. Hello tout le monde, salut à tous et à toutes, donc c'est aussi le boss. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Yandere Simulator. Donc c'est la mise à jour du 3 mai, donc elle est d'hier, elle est récente. Désolé si j'ai des traces, vous voyez bien que j'ai des traces de lunettes. C'est au fait, c'est parce que je les enlève, parce que je suis moche avec. Ah, regardez ma tête, hein. Ah, j'ai pas une tête à lunettes. Et c'est pour pas me foutre la honte. Et là, donc, j'étais en train, avec mes lunettes, de me faire un FIFA pendant que la mise à jour téléchargeait. Et comme elle a fini, on va s'y mettre. Et on commence comme d'habitude dans l'appartement de notre cher Yandere. Ah oui, c'est vrai, je la déplace avec ça, je suis con. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur Yandere. Je crois que la dernière fois, c'était pour la mise à jour des gangs. Quand j'avais mis les gangs arrivent et tout ça, je me rappelle. Donc là, vous avez toujours le temple de Senpai, ça n'a pas bougé. Donc je tiens à préciser que je vous fais découvrir ce qu'il y a dans la mise à jour. Tout en sachant que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je découvre en même temps que vous. Et puis si j'oublie des trucs que m'en voulez pas, voilà. Et elle peut se servir de sa console de jeu, parce qu'avoir une console de jeu et pas s'en servir, ce serait dommage. Attendez. Oui ? Non ? D'accord. Là c'est une Xbox 3.6 en plus. Ou alors c'est Xbox One. Bon, pour faire plaisir à Senpai, regardez ce qu'on va faire. Alors, selon vous, si vous aviez une meuf, et je parle au mec bien entendu, et aux meufs, enfin, si vous êtes un mec, quel genre de culotte vous aimeriez que votre meuf porte dans tout ce lot? Voilà, foutez-le en commentaire si ça vous amuse. Franchement, enfin, c'est juste pour vous faire participer. Voilà, je voulais montrer une parine. Et puis, si vous êtes une meuf, et ben, quelle culotte porteriez-vous pour aller, genre, au collège ou bahut? Voilà. Même si, de toute façon, on la verrait pas. C'est complètement con. Bon, voilà. Et, on va la jouer. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais que ma meuf porte. Voilà, tous les jours. Je l'assume totalement. Qu'est-ce qu'il y a? Équipette. Ah, ça me fait chier parce que, si ça se trouve, ils ont mis des nouveaux trucs sur Town et Basement. Mais ce qui nous intéresse, nous, bien entendu, l'école. Donc, on a toujours la réputation, ça n'a pas changé, on a toujours le petit message d'en base, this build is from 3 mai. Je suis juste mis à jour. On a des petits carrés maintenant au-dessus de la tête des personnages. Voilà, je crois qu'on l'avait pas la dernière fois. Donc, ils rentrent tous comme d'hab, voilà, ça change pas. Attendez, je vais mettre plus de son. Toujours les mêmes tronches. Ah, ça c'est la madame qu'on avait essayé de tuer dans la dernière vidéo. Elle nous avait mis minable. Voilà, elle nous avait mis une raclée. Donc, qu'est-ce que ça change, les petits carrés? Et bah, tout simplement, voilà. Rien du tout. Vous pouvez toujours faire les mêmes interactions. Ça on peut pas le faire parce qu'on le connaît pas assez apparemment, mais je vais le complimenter, comme ça sera fait. Bonjour, t'es plus beau que Senpai, dis donc. Ah, arrête, je vais rougir, connasse. D'accord, au revoir. Et Senpai, il est là. Ah! Ah, c'est le virus, à chaque fois. Le virus Senpai. Ça vous touche? Ça ne touche que les meufs, apparemment. Parce que, franchement, je sais pas ce qu'elle lui trouve, hein. Il est d'une mocheté, ce mec. Enfin voilà, il est comme tous les autres mecs du bahut, quoi. Et limite, en plus, j'aime pas sa coupe de cheveux, je préfère 10 fois les coupes de cheveux des autres. On a même des carrés au niveau des portes, maintenant. D'accord. Et on a les petits FPS. Je crois pas que c'était là, les FPS. En dessous l'heure et tout. Ah! Ah ah ah! Ça, je crois que ça y était pas. Unsver cheat. Réponse. Ah, c'est des anti-sèches, je crois. Ouais. Et je sais pas comment j'ai fait pour trouver. On peut se servir d'un PC? C'est cool ça. Je veux le PC. Le PC. Ouais, ça s'y était pas ça. Ça vient d'être ajouté. Oh là là. Ah oui, c'est le bureau de. Pff, oh là là. Et comme tout bon proviseur de bahut. Elle privilégie son bureau plutôt que le bâtiment complet. Voilà. Mettez un pouce bleu si c'est comme ça aussi dans votre bahut. En tout cas, je me souviens que dans mon bahut, c'était comme ça. Enfin, la principale mettait tout l'oseille des parents d'élèves dans son bureau. Elle s'en est même acheté, s'était même acheté une douche à l'intérieur. Et ouais, faut le faire. Et voilà. Et après, les parents, eh ben, quand ils nous disent « Bah, il va où notre oseille ?» Eh ben, il va dans le bureau de la principale, mon gars. ça, je sais pas si ça y était. Une tortue qui... Ah d'accord. Que la tortue, toi tu t'en bats les couilles, les lois de la gravité dans le fion.
Elle se balade comme ça, en apesanteur. D'accord. Je pense qu'au fait, il devait y avoir un aquarium, mais il est invisible. Bon. À part ça, il y a un piano, une grosse guitare qui fait deux fois ma taille. Mais tout va bien. Tout va bien. Au revoir, Light Music. Ici, on a une petite cabine d'essayage qui ne sert à totalement à rien. C'est l'Art Club. D'accord. Et il n'est pas fini à 200% à ce que je vois. Il y a encore du boulot. Librairie. Oulala. Oulala. Ah, c'était le bordel là-dedans, quoi. Ça ressemble à une vraie bibliothèque maintenant. Parce qu'avant, je sais pas si ça y était. Ah ouais, stylé, hein. C'est quoi ici? Student Council Room. D'accord, j'ai pas trop compris, ça concerne qui? Ça concerne les élèves, j'ai compris ça, mais voilà. Après, ça sert à quoi cette salle? Je ne sais pas. À foutre le dawa, peut-être. Et à regarder des films. Bah, je sais pas. Je visite. Non, non. Non, je sais pas qui t'es. Mais tu vas me le dire. Je sais qui tu es. Eh ben tant mieux. Je sais ce que tu es. Ouais, bon, tu sais que je suis une tueuse, d'accord. C'est une créature vulgaire qui... Mais je t'emmerde. Si c'était ma décision, ce serait... Ah d'accord, elle veut m'exterminer, carrément. Amuse-toi pendant que tu le peux. Oh d'accord, c'est des menaces en plus. Oula, vas-y, détruis le PC là. Putain, moi j'aurais cassé le PC en deux. D'accord, donc sympa quand même le petit message. C'est sympa. Et la salle aussi est sympa. Par contre, le message... Bon. À chaque fois que je veux tuer quelqu'un dans les toilettes, il n'y a personne. C'est au fait... Il faut prendre le seau d'eau qui est dans la cour, enfin non, sur le toit. Je vous le dis pour vous apprendre un truc. Et après, vous le jetez par-dessus ça. Voilà. Quand il y a quelqu'un, bien sûr, dans le cabinet. Et après, elle va sortir toute trempée. Et apparemment, vous pouvez le faire qu'à une seule meuf. Elle a les cheveux verts, j'ai plus son nom. Et après, elle sort, elle est toute trempée. Et vous éteignez la lumière avant qu'elle sorte, bien sûr. Et après, elle va essayer de l'allumer, elle va s'électrocuter. C'est con, mais c'est efficace. Alors, regardez-moi ça, c'est le bordel. Il est pas sale, toi. Viva la main. Non, c'est le paradis, là. C'est franchement, c'est... D'avoir ajouté ça, c'est le paradis. Waouh. Je suis fan. Utilisez. Hein? Mysterious Stop. Catégorie. Passement de tape, Mysterious tape, passement de tape, je m'en tape, ouais. Moi, je vais mettre Mysterious. Choisir. Ouais, on en a vachement. Oh là là, ça fait peur. Je crois qu'il faut les collectionner. Eh ben, comme ça vous fera perdre du temps. Oh, il y a un petit son. Ok. Donc, je ne sais pas quel jeu il joue, mais en tout cas, la musique est bien. D'accord. Aussi, il joue à attraper des boules lumineuses. Et elle joue à quoi? Ah, le même jeu. Bien sûr. Attendez, regardez comment déranger. C'est le truc que je déteste qu'on me fasse, ça. Ah! Ah, le temps que je parle et tout, ils sont... Ah oui, ils sont barrés en classe. Mais du coup, il n'y a plus personne. Je veux m'inscrire dans ce club parce que j'adore les... Tu veux être une gameuse. Oui. Join club. Oui. Si vous rejoignez le gaming club, you will be able to temporarily accrue. Ouais, bah je m'en fous. C'est bien. You have joined the club. Ouais. On est dans le club gamer. Oh, on peut jouer à n'importe quel jeu. Regardez, c'est trop stylé. On peut utiliser que celle de cette lignée, en fait. Que ceux de cette lignée. Vous avez un jeu de puzzle, c'est pas mon truc. Un jeu de combat, c'est pas mon truc non plus. C'est plutôt le truc à mon frère, ça. Un jeu de rôle. Voilà, vous avez des personnages. Un jeu qui fait peur. Un jeu social, apparemment. Un jeu de vol, ou de discrétion. Un jeu de course, et un jeu dont on ne sait pas trop quoi. Bah, je préfère jouer à point d'interrogation. Allez.
Elle a un... Vous avez vu maintenant? Oh, power up! Comme on a joué, eh ben, ça nous a fait gagner de la répute aussi. Hein. Regardez, quand vous faites partie du club des gamers, vous avez l'espèce de truc... les flèches directionnelles dans les cheveux. C'est plutôt sympa. C'est la grande nouveauté de cette mise à jour. Donc je tenais à vous le montrer, je savais pas où c'était, et ben je l'ai trouvé comme par hasard. Donc c'est Computer Lab, et c'est au troisième étage, pour ceux qui cherchent. Et après vous avez même l'audio vidéo room. Ah non, peut-être dans la prochaine mise à jour ça. Oh merde, ça fait pas l'affaire de... Est-ce qu'ils sont actifs? Ça on ne sait pas. Oh regardez, Info Club, j'aimerais bien rentrer dedans. Oh, on peut juste... pique. What the fuck? Ah merde! Ah merde, je sais que vous êtes là! Dégagez de là, y a rien à voir ici, elle a dit. Ah merde. Merde, en retard pour la classe. Duplicate en Zwerchit. Oh! Ah d'accord! Oh là, c'est bâtard! En fait, c'est une salle, il y a une espèce de meuf qui fait Watch Dogs, et elle vous duplique les anti-sèches pour vous aider encore plus. Ah, c'est bâtard. Artroom. On a déjà regardé. Oh! Ça a été mis à jour, ça. Maintenant, il y a le tableau. Ah, d'accord, ça, par contre, c'est un bug. Il y a les tableaux. Les tableaux de peinture. Bah, après, on peut pas encore le rejoindre, je pense. Il faut attendre que les élèves se pointent. Et après, vous pouvez rejoindre et faire de la peinture. Go to class. Ah oui, elle a dit, essayez d'arriver à l'heure. On s'est fait engueuler, hein, du coup. Et on a des anti-sèches, les amis. Donc, on va les foutre dans quoi? Hop. Hop, hop. Hop. Voilà, parce qu'apparemment, chemistry, c'est important. Madame, j'ai des anti-sèches. Ah, vous pouvez pas me fouiller, hein. Vous pouvez faire votre animation dégueulasse pour m'empêcher de vous tuer, mais vous pouvez pas me fouiller. Donc quoi de faire? Bon, les amis, avant d'arrêter cette vidéo, comme je crois que j'ai fait le tour des nouveautés, j'espère ne pas en avoir oublié. Donc, avant d'arrêter la vidéo, je vais commettre un petit meurtre, bien entendu, parce que c'est quand même le but de ce jeu, c'est de foutre le dawa. Alors, qu'est-ce que je peux dissimuler Vous avez déjà tué quelqu'un avec un ciseau? Eh bah, ben, ça va être le cas. Hop là, range-moi ça, comme ça on se fait pas gober. Oh! Ça c'est rajouté ça! La petite piscine des familles avec le putain de cadre. Enfin, de l'y trouver celui-là. Franchement, chapeau. Ouais, c'est parce que c'était pas elle. D'accord, ok, y a pas de grande nouveauté. Alors je vais faire un tour dans la cour. Alors bien entendu, les gangs sont toujours là. Les racailles de Shanghai. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Pourquoi ils ont ajouté ce buisson qui ne sert totalement à rien dans le décor? What the fuck? Ah, ils ferment les grilles, attention. Hein. Personne ne peut fuguer avec ces grilles-là, parce que si tu essayes de les grimper comme tu veux, comme je faisais moi. Oui, parce que j'étais une Kaira. Oui, parce que je grimpais la barrière de mon collège pour fuguer. Et parce que je suis un thug. Non, c'est pas du jeu, j'ai eu le temps de rien faire. J'ai pas eu le temps de faire mon truc marrant. Faut pas que ça sonne maintenant. Attention, mesdames et messieurs, le truc inédit. Le truc que vous n'avez jamais vu avant. Je me fous à poil pour Senpai. Eh oui. Parce que je suis prêt à tout. Enfin, je suis prêt à tout pour les caser, les amis. Donc s'il faut employer la manière forte... Bah, en même temps, on a choisi la culotte, tout à l'heure. Donc fallait bien lui montrer. Donc voilà. Mais bon, elle a perdu entre-temps et elle s'est trompée. Elle l'a mis sur la tête, cette conne. Donc allez, on va lui montrer ça. Senpai, I love you. Ah merde, c'est pas Senpai. Il est où, cet enculé? Bon, les amis, j'ai une idée. On va attendre quelques heures et puis on le chope à la sortie et on lui montre. Ah, il doit être là-bas. Il a dû aller à son casier. Senpai, je suis à poil pour toi. Mais regarde-moi, espèce d'imbécile. She's acting strange. Pourquoi tu veux pas voir ma culotte? En fait, j'en porte pas, mais bon. C'est pas une raison, hein. Embrasse-moi là où tu veux. Ça m'est égal. J'ai pas fait ça pour rien.
Dépêche-toi ou je tue une personne. 3, 2, 1, ok. Tu l'auras voulu, je vais tuer une personne par ta faute. Tu n'avais qu'à me lécher le fion. Quand tu pouvais encore. Pour la peine, eh ben, je vais tuer ton meilleur ami. Bonjour. C'est toi le meilleur ami de Senpai? Non, je t'emmerde. Vas-y, Sabito. Tiens. Il a tué mon meilleur ami. Non, wait. C'est pas parce que j'ai un slip sur la tête que j'ai fait quelque chose. Mais si, t'aimes bien, c'est bon. Il a kiffé de voir à poil, attends. Bon, les amis. Ah là là, j'espère que vous avez kiffé. J'ai dit que je ferais un meurtre, mais la surprise c'était de me foutre à poil. Et j'espère que ça vous a fait kiffer. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like des familles ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous avez kiffé la vidéo, eh ben, je referai une vidéo sur Yandere à la prochaine mise à jour les amis. Pour voir ce qui est rajouté et je vous en ferai part. Ou je vais attendre une ou deux mises à jour quand même. Parce que les changements ne sont pas ouf. Entre deux mises à jour, il n'y a pas des trucs qui changent de ouf. Donc, je vous dis portez-vous bien d'ici là. Et n'hésitez pas à me lâcher le petit like des familles comme je l'ai dit. Allez, salut les gens. Ciao, à la prochaine.